Bon, salut tout le monde, petite vidéo intro avec le soleil au bord de la mer comme d'habitude. Le soleil est revenu, ça fait trop du bien. Donc, re-bonne année 2022, mais bon, ça me gonfle un peu, moi, toujours dire bonne année tout le temps, 2021, bonne année 2020, bonne année 2019. Bonne journée tous les jours. Bonne journée tous les jours. C'est surtout qu'en fait, moi, j'ai envie de dire bonne année, mais j'ai envie de dire vivez ce que vous avez envie de vivre peut-être cette année. Vivez l'année, c'est pas bonne année, c'est vivez l'année. Ouais, je vais encore faire mon vieux con, mais pour tous ceux qui revivent toujours les mêmes années et qui n'ont pas des années superbes quoi, à chaque fois, mais puis qui replongent dans la même année, toujours pareil. Et puis qui se disent toujours, oh bah tiens, je vais regarder une vidéo du Gaulois, ça me remonter le moral, ça va aller... Hein? J'en connais comme ça. On a pris la décision du Gaulois. Voilà, mais il y en a, ils sautent. On a regardé une année le Gaulois dans notre vie. C'est ça, voilà. Ouais, je dis ça parce que c'est Cédric et Armel qui, vous savez, vous rappelez qu'on était dans leur ferme pour préparer le départ et ainsi de suite. Et là, maintenant, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Ils ont acheté un Mancat. Et là, ils vont partir sur les routes, ils ont lâché la ferme, pas complètement, mais ils vont faire reprendre la ferme par le fiston et puis ainsi de suite. Et puis du coup, ils vont partir voyager, prendre surtout du soleil, parce qu'Armel, elle en a besoin, c'est énorme, mais c'est la grisaille. Nous, trois ans qu'on est sur les routes, et ben dès qu'on a une semaine de grisaille, franchement, on est là. On sait que c'est temporaire, donc ça va, on supporte mieux. Mais on aurait du mal à... Ah, ma petite chérie, on aurait du mal à refaire les hivers qu'on a fait en Normandie. C'est vrai, c'est vrai. Avec des 15 jours, 3 semaines de flotte et ainsi de suite. On aurait vraiment du mal à replonger. Le soleil, c'est important. Alors bien sûr, je parle de ça pour tous ceux à qui ça pèse. Par contre, tous ceux qui sont très heureux de vivre leur vie. Hein? Dans la grisaille. Non, mais voilà. Tous ceux qui kiffent le gris. La grisaille. Ouais. Non, mais c'est encore une fois, vous savez comment que je suis. C'est juste pour toutes les personnes qui rêvent d'autre chose et qui le font jamais. Juste, dans cette nouvelle année, je vais vous souhaiter de bouger votre cul, en gros. Bougez-vous le cul, quoi. Faites comme eux, là, bougez-vous le cul. Vous pouvez partir, vous savez quoi, là. Arrêtez avec, on n'a pas d'argent, moi j'ai pas d'argent. Vous pouvez partir en sac à dos, avec des chaussures. Ouais, franchement, vous allez dans n'importe quel relais, n'importe quelle poubelle, vous allez trouver une paire de chaussures. Vous allez trouver un sac à dos. Vous frappez, ouais. C'est clair. Et puis là, si vous rêvez d'aventure, je reprécise bien pour les gens qui veulent une autre vie. Hein, tous ceux que ça va. Ouais, ma femme a dit, t'es relou, on a bien compris. Ouais, d'accord. Donc, en fait, passez les barrières que vous avez dans la tête. Et là, dès demain, allez hop, sac à dos, chaussures, et c'est parti. C'est les rencontres, et on part surtout au chaud. Hein. Comme ça, là, ça au chaud, déjà, c'est moins dur à vivre en voyageur. Allez, j'arrête de parler, qu'est-ce que je voulais dire? La vidéo, je vous laisse donc avec la vidéo. Vous allez voir une tuerie, surtout une rencontre. Il y a Cédric qui fait des messes. Cédric puni au coin avec Héraclès. Là, c'est pour ça que je voulais faire en fait une vidéo intro. Le père Héraclès, vous allez voir, un gros délire. Alors encore une fois, ça va être deuxième vidéo de suite qui va pas être monétisée pour moi. Bon on va vivre d'amour. Héraclès, c'est un champion de boxe. Ouais. Héraclès Milano, c'est un truc comme ça, allez voir sur internet, paraît que c'était... Mais enfin bon, un mec d'une humilité, hein, ça se dit pas, mais bon... Humilité. D'une humilité, merci, merci professeur. Non, voilà, un mec d'une humilité, je sais pas pourquoi. Un mec, vous allez voir dans la vidéo, un mec très touchant. C'est pour ça, comme je vous dis, là, ça fait ma deuxième vidéo qui est pas monétisée, mais je m'en fous. Tout simplement parce que les moments sont tellement sympas que j'ai laissé les passages musicaux, comme le Sertaki, c'est comme ça la danse. Sertaki, voilà. Et donc les moments sont tellement merveilleux que je les ai laissés et puis voilà. On va pas commencer à couper les vidéos à cause de ça. Mais je tiens à le préciser quand même. Je fais des efforts de toucher moins de sous pour rester authentique. C'est pas beau ça? Donc je vous laisse avec la vidéo, vivez les mêmes émotions que nous, avec les copains, jour de l'an et tout, vous allez voir, c'était... Je crois que je finis la vidéo. On n'a pas encore dit bonne année, ce sera pour la prochaine, tant pis, sinon ça fait trop long les vidéos. Allez, bisous, nous on kiffe le soleil, on est en petit comité, juste avec Cédric Armel et les enfants. Ah mais putain, c'est ça que je voulais dire. Putain, mais quel idiot, je voulais commencer ma vidéo quand même. Ah, c'est ça, il disait que j'allais toujours dire que j'ai oublié. Je voulais faire surtout un gros bisou à Léa, notre fille, qui est en France et qui n'a pas pu venir. Parce que problème de papier pour Dylan, tout ça, les pas de sa carte d'identité, tout va. Donc on leur a proposé l'avion, comme Malicia et Antoine qui sont là. Ils n'ont pas pu venir, donc on lui fait un énorme bisou, on la revoit. Bisous ma fille. Ouais, on la revoit bientôt. Et Dylan, ouais. Pas que ma fille.
Et on les revoit bientôt. Parce que ouais, ils avaient aussi le problème des 5 chiens à faire garder. C'était une galère, quoi. Mais bon, on pense à elle et puis on lui fait des gros bisous pour cette nouvelle année. Et on la revoit au printemps. Allez, on vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Kiffez votre racine. Et puis j'espère que j'ai pas été trop relou. Bisous, bisous. J'ai oublié juste un tout petit truc. Le gaulois qui n'oublie pas. Hein. Ouais. Non, j'ai oublié en fait que j'espère que vous êtes contents parce que j'ai rattrapé tout mon retard. Et là, je colle quasiment avec le temps réel. C'est-à-dire que la vidéo qui va sortir aujourd'hui le 4 décembre, janvier, le 4 janvier, se termine le 31. J'ai le 31, ouais, on n'a pas encore fait la... Donc, 31, 4 janvier, j'ai 4 jours d'écart, quoi. 4 jours de retard. Alors, c'est un peu stressant parce que du coup, les rushs, il faut que j'ai assez de rushs pour faire la prochaine vidéo. Donc, je vais vous filmer le ciel pendant un quart d'heure, histoire de faire des rushs. Non, je rigole. Non, mais voilà, donc après, la durée de vidéo sera peut-être pas d'une heure pile poil, si jamais j'ai pas de rush. Mais j'aime bien recoller au temps présent, si possible. Parce que là, à un moment, on avait un 15-20 jours de décalage. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup. Allez, bisous, bon visionnage, bisous. Et salut tout le monde, bien dormi? Ça va toi? Ouais, tiens, il y a la Guerta qui se prend le soleil. Ouais, double sécurité cette fois. Ouais, oui, oui. Ah ouais, on va pas grimper dans les arbres. Je vous ai montré hier ou pas vite fait? Il y a une petite famille, les Piolandais. Les Tiolandais, je crois que c'est. Regardez, ils ont un petit Toyota comme ça avec le toit qui se monte. Super sympa. Et nous, aujourd'hui, on va ranger, on va bouger. On a un super soleil. Ça fait trop du bien. On va retourner au bord de la mer, à la plage. Il y a Ben qui est en train de tout ranger là-bas. Mais d'abord, ça va être café. Là, il y a encore nos copains les Allemands là-bas. Anya, Mirko et Chris. Allez, bisous, bisous. Café, rangement, on bouge. Il fait trop beau. Il fait très, très beau. Ça fait du bien. Ça, bon, attention, nouvelle déco. Ah, je vais faire des ennemis là. Bon. Nouvelle déco. Nouvelle déco pour le chaman. Je vais mettre les crânes ici. Ouais. Et je vais marquer au marqueur 4. Et je vais faire des petites barres. Tu vois. Non, c'est. D'ailleurs, il y a encore un morceau de cervelle dans tes crampons là, regarde. Bien entendu, aucun animal n'a été maltraité lors de cette séance. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ah mais t'inquiète, on le dira pas Nico qu'on l'a. Puis regarde, ça perturbe pas Minouche, hein. Ça le perturbe pas. Minouche, tu as rien, je te présente tes copains. Ah tu vois, ça peut être au lieu d'être le man 4, ça peut être le crâne 4. Le skull 4. Ouais. Ça fait classe, moi j'ai vu. T'as besoin de chaîne ou pas? Pour l'instant non, je crois pas. Ah tu veux la replier? Ouais. Bon, ça y est, on repart d'ici, notre petit endroit pour Noël. Alors maintenant, il va falloir ressortir. C'était un peu juste pour rentrer. Il va falloir ressortir, mais si c'est rentré, c'est que ça sort. Allez, on va être reparti. Impeccable. Voilà mon père. Bon, ça va le faire. Si c'est rentré dans un sens, ça va rentrer dans l'autre. Hein? Allez. Allez. Top. Obélix 4-4. Voilà ça mon père. T'es passé à ça. C'est nickel. Ça c'est du chauffeur. Ouais, parce que nous avec nos camions 4-4 on passe, mais eh ben, le Gaulois, il passe aussi, hein. Comme quoi, c'est pas le véhicule, c'est le chauffeur qui fait tout. Bravo les Gaulois! Attends, j'ai plus d'air! Ah, pour remonter en air, il freine trop, il a pas l'habitude Obélix! C'est dommage, bon, ça y est, Obélix est arrivé! Le petit camping-car! Et maintenant, ça va être à Nico et tout le monde de passer aux grosses branches là-bas! J'espère que ça va le faire! Alors, on va voir ça! Bon,
Ça frotte, mais ça passe. Ça y va, ça y va. C'est passé à l'aller, ça passe au retour. Hein. Bon, on va libérer la place. On va libérer la place. Ouais. Bon, on a le droit à un beau petit convoi de 1, 2, 3, 4, 5 véhicules. Et pas n'importe quel véhicule, des beaux véhicules, hein. Ça rigole pas. Avec un beau soleil. Bon, ça nous rappelle un petit peu les convois d'Espagne, hein. La mafia nomade qui sont là. Là, il y a Jean et Isa. Le bel Obélix. Cédric, Hermel. Les petits dufs et les tortelles. Eh, ça fait un bon petit convoi quand même. Heureusement qu'on n'est pas resté derrière, on ne voyait pas nous. Hein. Ah ouais, ouais, mais là on vous voit bien là. Un beau camion. Et t'as vu, n'empêche, là, qu'il y a vachement plus de monde que l'autre fois avec le beau temps. Bah, bon. Si vous vous rappelez, c'est le petit spot où on était. Là, on est au Trollet chez Yanis et on était juste là-bas où il y a une petite chapelle tout au bout. Voilà, il est là le monsieur Jean. Parce que si je présente un camion et qu'on ne sait pas à qui il appartient, comment on fait? C'est la merde. Vous prenez plus. Hey, prenez-en de la graine. 82 ouais. Ans, toujours sur la route. 32. Toujours sur la route. Et ça, je peux vous dire, hein, combien de fois j'ai des messages. Ouais, on peut pas aller sur la route. Comment vous allez faire plus tard et machin. Ben, c'est pas un problème, la route. Bon, lui, il pourrait vous en raconter des heures et des heures. Des heures et des heures. Tiens, regardez, il en a fait du chemin. Tiens, regardez un peu tous les pays. Je pense qu'il n'y a pas tout. Hein. Non. Ah non. Il n'y a que les deux dernières années. Ouais. Et hier, je lui dis, on parlait, je lui dis, ça fait combien de temps que tu es sur les routes à peu près, que tu voyages? Bah, il dit depuis l'âge de 14 ans. Bon, bah, ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc là, on peut en prendre de la graine. La Sierra Nevada, tiens! On y avait été skier. Impeccable. Allez, direction prochain spot avec ce beau soleil, ça va faire du bien. Alors, on continue. On y va. Bon, du coup, nous voilà bien arrivés sur le nouveau spot. Il y a un petit resto qui est là. Peut-être faire de la détec. Il y a la mer qui est juste là. Et il y a les poteaux qui sont là. On s'est fait un petit U comme ça. On peut se poser à l'abri du vent, faire une bonne tambouille de tomates. Pour ce soir avec du riz, ça va être au top. Bon, tant que le temps reste bien. Alors on est bien en U comme ça, on a coupé du vent. Et on a quand même le soleil qui rentre. Pile poil ici. Allez, bonne tambouille. Et voilà, on est parti pour une bonne sauce tomate avec donc du coup les tomates qui ont été ramenées hier là par le gars du coin quoi. Les bonnes sauces tomates ou les bonnes tomates? La sauce tomate est partie et j'ai dit les bonnes sauces tomates, je sais pas, ouais. Avec l'espèce de thym, le gars il nous a dit que c'était une sorte de basilic du grec quoi. Basilic grec, bon, quelques feuilles là-dedans, ça sent super bon, mais ça sent plutôt le thym moi je trouve. Voilà, voilà. Ça avec du riz, ça va être impeccable. Hein? Il a dit du thym grec. Non, basilic grec, ils ont dit. Après, moi, je trouve que ça sent plus le thym. Ouais, c'est vrai, ça sent le thym. Voilà, la petite tambouille de sauce tomate mijote tranquillement. Et bah, du coup, on va aller découvrir un petit peu les lieux. Hein, quand même, aller voir le bord de la plage. Et puis, faire connaissance avec ce joli petit lieu. Minouche, il est venu avec nous. Ah, Minouche! Les gamins, ils se regardent casse départ. Bah, ils arrêtent pas avec ce film. Jean et Isa sont là-bas. Nico, il est là. Allez, on va aller voir la petite playa. Vamos a la playa. Et regardez comme ils sont beaux là-bas. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Oh, c'est mignon. Mettez-vous en forme de cœur. Oh. Allez, Soizic, position levrette. Pas de soucis. J'adore gâcher le romantisme, j'adore. C'est mon délire. Hein, Zaina? Il y a des belles couleurs. Hein. Bon, les couleurs magnifiques. On ne peut pas s'empêcher de les prendre. Regardez comment on a un super paysage de coucher de soleil. Ah, voilà la mafia, nomade. The color is very beautiful. Yes. C'est pour ça que je me mets toujours en face de coucher de soleil. Regardez, Ben, il met son chiotte.
pour les meilleures toilettes. Ah bah alors là, si t'arrives pas à chier avec ça, hein, je comprends pas là. Bon, quand on vous dit qu'il y a des chiens errants partout, regardez, on a un mâche, hein, il est immense. Elle est pas trop cool. Regardez, tout le monde panique, mais il est cool le chien. Franchement, il est super cool. Ah putain, téléphone de merde. Il veut manger tout ce qui bouge. Ah bah là, il va être content là. Bon, petite soirée chaudron un petit peu à l'arrache. Donc là, il y a des petits cours de... Scooby-Doo. Quoi ? Scooby-Doo, bisous. Il devrait pas bouger normalement. Il faudra le recoller. Quand il est recollé, et ben là, celui-là, tu vois, il marchera. Mais là, pour l'instant, ça ne marche pas. On a fait le rose clair, il remonte avec. Ouais, demain, je pense qu'on va faire... Il marche, mais... Hey, hey! Il marchera demain, mais là, sans la colle, il marche. Sayonara! On va aller nager, je peux pas aller nager. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que hier, ça s'est couché un peu n'importe comment dans cette famille. Lily qui dort sur son frère. Non, mais on n'a jamais vu ça. Lily qui dort sur son frère. Iris qui dort en mode à l'arrache. J'ai l'impression que ça s'est un peu endormi devant le film hier, non? Je te jure, c'est gosse. Bon, il fait beau ou pas dehors? Mouef. Moyen. Allez, petit-déj. Bon, Jean, il va nous montrer son petit parcours qu'il a fait en Turquie. Enfin, Jean et Isa, bien sûr. Ah, ouais. Quand même. Les Pioux landais. Alors, voilà. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, vous avez tout ce qui est en noir, je suppose. C'est ça ? On va voir le tracé qu'on a fait. Ouais. Alors, le départ, là-haut, on est arrivé. Attends, je vais filmer vite fait tout ça. Et puis après, comme ça, je peux couper le téléphone. Vas-y. Oh ouais, dis donc. Voilà, 7000 voilà. Km. Tout ce qui est en noir, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, 7000 km. On oublie de travailler avec les cartes, c'est vrai. Maintenant, on est tout en virtuel, mais les cartes, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien. De l'Iran, tu vois. Iran, ouais. Irak, Syrie. Eh ben, voyons. Voilà. Un beau parcours. Ah bon, oui, maintenant, il va m'expliquer tout ça en détail. Je travaille toujours avec les cartes et le compas et la boussole. Ouais, t'as raison. Allez, on va dire au revoir à Jean et Isa. Regardez comme il est beau son Toyota là. Allez, bye bye les Piolandais. Bonne route. Bon, regardez, il y a un chien qui est pendu. On va vite le détacher, hein. Ah, c'est la patte. Ah ouais. C'est bon, on l'a décroché de la barrière. Ouais, il a mal à la patte, mais bon, tout va bien. Qu'est-ce que tu foutais accroché là-haut, toi? Ah, il a mal à la patte. Ah, il a essayé de sauter. Ouais, ouais. T'imagines, toi, le gars, il revient pas, le pauvre chien. Ah ouais, ça pue la merde, ouais, il s'est chié dessus. Oh. Bon, bah, ça va mieux, il est sauvé. Il a sa petite niche pour se mettre au chaud. Ah bon, bah oui, t'as mal à la patte. Bon, c'est un petit apéro dans Obélix. Didine a se met à poil, ça c'est bien, ça veut dire que c'est parce que j'ai allumé le four. Ça, vous connaissez pas l'astuce, les gars. Allumez toujours un four dans un petit véhicule. Il faut. Comme ça, tout à l'heure, c'est Virginia, elle a retiré 50 couches. Ouais. Bon, là, pour la vidéo, elle était seins nus, mais elle vient de remettre quelque chose quand même pour la vidéo. On n'a pas le droit. Santé, regardez ce que j'ai trouvé à Nico, au Lidl. Santé. Ah, il a fait 1 euro, une là. Une petite bière. Ouais. En fait, c'est le nom Obélix, c'est pas le bus, hein. C'est Nico. Ouais, une bière d'1 litre. Ah, on va encore dire qu'on picole et qu'on boit toute la journée. Donc on est en grand débat depuis tout à l'heure pour trouver un endroit pour le jour de l'an. Donc on sait pas trop. On voulait retourner à l'hôtel, mais il y en a qui vont aller plus au nord de Grèce, d'Athènes. Au nord de Grèce. Au nord de Grèce. Nord d'Athènes. Alors bref, bah voilà, donc on se concerte. Alors on va peut-être retourner au bungalow, on sait pas, on verra bien. Faut trouver un petit spot. On va trouver un bon compromis pour tout le monde. Et ce sera impeccable. Oui, c'est ça. Bon, on était tranquille et ça y est, les rebeux, ils arrivent, c'est le bordel. Ça, c'est toujours comme ça. Bah, faut démettre l'ambiance un peu. On s'ennuie, ça. Non, je rigole. Bon, on est une sacrée tablée, là. Attention, ça rigole pas, là.
Là, c'est le carnage. Là, vraiment, c'est le carnage. Oh, tu peux l'ouvrir. Eh, hey, vous avez cru que j'étais l'ouvreur de bananes, là. Tiens, chérie. Bon, on est toujours sur le camtar de la mafia nomade, là. Bon, en fait, je vous explique le truc. Vous vous souvenez ou pas, dans les vidéos précédentes, le petit électrovan d'entrée de pompe de gasoil qui sert à couper le moteur était mort. Donc on a changé ça, mais comme le moteur s'était désamorcé en gasoil, on a pas mal activé la pompe qui était là. Sauf que je vous l'ai expliqué, là-dedans c'est une membrane à la con de merde et elle pète très vite. Donc on était obligé de racheter un porte-filtre. Donc là normalement on va être bien avec le porte-filtre neuf, l'électrovan neuf, normalement ça devrait tourner rond. Allez, on vous montre ça au prochain épisode. Alors on monte ça en condition galère là. La pluie, le vent, la boue, bref, ça va le faire. Bon, bah ça y est, ça tourne rond. Il n'y a plus qu'à essayer sur la route, voir si c'est bon. Boum, boum, boum. Normalement, c'est réglé. Ouais. Il est neuf, il est tout neuf, le camion. Voilà. Allez, hop, c'est le travail, tout va bien. C'est comme. Bon, nous, on va bouger d'ici, redirection le trolley pour uploadage de vidéo, remplissage en eau. Et puis, bah, pour être prêt pour demain, pour récupérer Malicia et Antoine à l'aéroport. Allez, bisous, bisous, on remet en route. On y va. Bon, ce soir, on est en petite soirée un petit peu cool peinard, quoi. Et regardez, ça va être en train de me montrer. Malicia qui a préparé son petit pense-bête parce qu'ils arrivent demain, normalement, par l'avion, demain le 29 décembre. Donc regardez, Malicia elle avait fait son petit pense-bête. 27 décembre, on prépare la valise, 28 décembre PCR, 29 décembre, on se réveille à 1h du matin, on part à 2h du matin, 3h30 on arrive à l'aéroport. Ah, délire, ouais. Tu vois, ça va jusqu'à où? Non, après c'est le... Enfin, ouais, ça et tout ça. Elle avait fait sa vie, hein. Ah, le délire. Après, ça c'est pour revenir, ouais. Voilà, voilà, allez, nous, petite soirée tranquille ce soir. On va se regarder la suite de quoi? Non, c'est pas le retour, c'est la suite. Ah, chérie. Ouais, comment? Pirates des Caraïbes. Ah oui, la suite de Pirates des Caraïbes. Ils ont regardé hier et que. Ils se sont couchés à 3h du mat. Moi, je me suis endormi, pardon. Ah, la mafia nomade. Et regardez, nous, on n'a pas des enfants qui volent des bonbons dans les placards. Non, on a des enfants qui volent du chou rouge dans le frigo. Puis tout à l'heure, là, il va voler des feuilles de chou rouge dans le frigo, là. Pas possible ça! Voleur de chou rouge! Ah là 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 là, c'est gosse! Non, c'est bien qu'il mange des bons légumes comme ça. Mais faites pas tomber le chou par contre! Allez, nous on va se regarder un petit. Donc, du coup, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. La suite. Pirates des Caraïbes 2. Ouais, Pirates des Caraïbes 2. Et puis voilà, et puis demain, Malicia et Antoine! Les cadeaux! S'ils arrivent! S'ils sont pas bloqués à la frontière! S'il y a pas les cadeaux. Les cadeaux de quoi? Ah ouais. Ok. Allez, bonne soirée. À demain, tout le monde. Bon, ma chérie, t'es contente? Fatiguée mais contente. Ouais. Ça y est, les jeunes, ils sont dans l'avion. Bon, hey, regardez comment ça dort ici. Alors Lily, elle a la tête en bas. Je sais pas comment elle dort. Jojo, il dort sur Iris. Non mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Bref, il va se réveiller, on va aller chercher les jeunes à l'aéroport. Bon, on a préparé leur place, ils auront les petits rideaux comme ça, ils pourront dormir là. Et nous, on dormira là. Lily dormira avec nous sûrement. Et Jojo dormira sûrement avec... Liam. Son frère, ouais. Mais Lily, le magicien a dit que peut-être elle dormira avec lui. Ah voilà, bon, on verra bien. Bref, on est contents. Par contre, il y a des moustiques. Hein. Ouais, il y a eu des moustiques cette nuit. On est contents, les jeunes arrivent. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, on arrive à l'aéroport, récupérer les jeunes. Malicia et Antoine, t'es contente ma chérie? Ah ouais, nickel. Voilà. Essayez de surveiller si on voit leur avion atterrir. Ouais, allez, à tout à l'heure. Les données mobiles, chef. Bon, on est sur l'attente minute là pour les arrivées. Bon bah on va attendre les petits jeunes comme ça. Ça va arriver. Ouais, du coup j'ai oublié de vous dire, t'as réussi à avoir leur billet pour eux. 240€ aller-retour pour les deux avec deux bagages à main et une valise en cabine. Ouais, sur Royal Air, je sais pas. Ryanair. Ryanair, ouais.
Donc ça va, en fouillant bien, on arrive à trouver des prix plutôt corrects. Pour Ryanair, c'était départ Charleroi, Bruxelles. Ouais. Et donc du coup, ils ont dû partir. Comme ils étaient Lille, de Lille vers Bruxelles en voiture, quoi. Ouais, c'est voilà, Antoine qui les a emmenés. Mais voilà, t'as réussi à trouver pas trop cher quand même. Bah ouais. Allez, on les attend. Ils arrivent, ils arrivent. Ça y est, ils sont là, les jeunes. Ouais. Mon cadeau. Il était toi. Bon, ils ont ramené des cadeaux de Noël. Le Père Noël de... le Père Noël d'Eschner, elle a ramené des cadeaux. Ça, ça sent les bonbecs. Le corridor. Hein? Bah, c'est le même. Ah, ah, oui. Papa, tous les crache-pattes. Ils crache-pattes. Ah, ça, c'est les bonbons. C'est un corridor, mais pour les enfants. Ah, excellent. Excellent. C'est un corridor pour les enfants. C'est quoi ça, Jojo? Encore des crash-pattes. C'est beau. Ah, c'est bon, il y a un lecteur sur le pied. Des Playmobil pour Liam. Madis, elle a dû faire la vidéo. Elle a dû sortir les trucs, mettre les boîtes à plein. C'est le jeu dans les valises. Ah ouais. Ah bah ouais, ouais, ouais. Genre, maman. Ça, c'est quoi, Jojo? Eh bah voilà. Il l'a enfin, Jojo. Barbecue party. C'est bien quand on était allé en vacances. Ouais. Oh, Gédéon, il a son cadeau. On l'appelle Gédéon maintenant. Regarde tout ce qu'il m'a demandé. Tu nous l'as demandé 30 fois. Vas-y, ouvre. Je veux pas vidéo. Pourquoi? Oui, bah c'est ça. C'est mort, je veux pas vidéo. Vas-y, on a les vocaux et tout, man. Ouvre ton cadeau, tous les abonnés veulent voir. Ouvre ton cadeau. J'ai jamais voulu ça, ce moment. Si tu n'ouvres pas ton cadeau devant la vidéo, tous les abonnés t'insultent. Regardez dedans. C'est quoi? À ton avis. Il me l'a demandé au moins 4. Oh non. Oh bah non, je peux pas mettre ça en vidéo. Attends, ça va. Je te jure, c'est quoi? Papa, on a des preuves en vocaux. Ah ouais. On a des preuves en vocal. Non, 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 non. Bon bah du coup on est revenu voir le garage de Yanis avec Antoine et Malice. Il a bien avancé le petit Solex biplace là. Petit Solex tandem là. Sympa. Bon, on finissait la visite du trolley du restaurant de Yanis par dehors. Et regardez, Jojo il m'a montré le petit coin ici, super sympa. Et regardez tous les jouets sûrement retrouvés sur la plage. Accroché partout. Ça fait une belle déco. J'adore. Mais pourquoi il les a vissés? Pourquoi il a... Bah, pour faire une décoration. Il fallait les mettre avant. Trop stylé. Bon, on a le droit à un beau petit coucher de soleil ce soir. Bon, petite soirée posée au KLM auprès du feu. Avec la famille, les poteaux, on fait une petite soupe de potiron, tranquillou, on prend l'apéro, il fait bon ce soir. Il fait bon, fait un petit feu, mais il fait assez bon. Voilà, une petite soupe de potiron en route, ça cuit gentiment. Puis voilà, on est pépère, posé autour du feu. Voilà, ça fait du bien un petit feu. Les garçons sont partis nous chercher du bois de ouf là, on a un de ces stocks de bois. Regardez ça, ils ont trouvé ça sur un chantier, là, ça traînait. Voilà, les restes de coupures de trucs. Donc on a ce qu'il faut. Je pourrais même en couper un peu pour le poêle à bois. Pour le poêle à bois qu'on n'utilise pas souvent, mais bon, ça peut toujours servir. Ils en ont chié, ils ont ramené ça, ils ont fait presque un kilomètre avec le sac là, Mano et Antoine et tout. Voilà, voilà. Petite soirée bien posée, bah, dans leur camion. Ah, parce que je crois que Salma a fait une salade de choux. Ah bah tu vois, je leur en ai fait. Donc voilà, Didine a nous fait trois poissons qu'un petit pêcheur leur a donné cet après-midi. Ouais, moi, j'ai fait la... salade avec des... Oh, une belle petite salade. Cacahuètes dedans. Je crois que Soizic a fait une salade aussi. Elle a fait aussi. La même, ouais. Voilà. Et puis, bah, moi, j'ai fait une soupe de potiron. Et puis, comme ça, tout le monde a fait un petit truc. Et puis, c'est impeccable. Nickel. Renaud, il en avait marre. Voilà, un bon petit poisson. Oh non, ça me dit rien. Un bon petit poisson, du coup, des pêcheurs de ce midi, quoi. Super sympa ça quand même. On va ramener ça. Des bonnes petites salades pour ce soir. Petite salade de choux. Et puis bah une soupe de potiron. Tranquillement. De courge exactement. Et Jojo, il aime trop ça. Ouais. Alors espérons qu'elle soit bonne. Bon, la soirée continue au feu là-bas. Hein.
Vous voyez pas bien d'ici, mais... Et les enfants nous ont fait un... Si elle ne touche pas... Eh, mais elle, c'est le démon. Toi, t'es le chétan, hein. Oh. Oui, si elle, t'es le chétan. Et en fait, les enfants nous préparent un spectacle sur la plage. Donc tout le monde est là pour ne pas louper le spectacle des enfants. Je fais pas plus, moi. Attention. C'est la baffle qu'il faut mettre plus fort. Ben non, mais c'est à fond. On peut pas mettre plus fort. Non, mais c'est à fond, mais après ça démarre. Eh ben, taisez. Ouais, bravo. Allez, faut saluer, là. Hein. Merci. Faut saluer, hein. Allez. Quand on fait un spectacle, les filles, on fait comme ça. Hey. Saluer la foule. On salue la foule. Bravo. Eh ben, on vous donnera pas un rond pour le spectacle, pour la peine. Vous n'avez pas salué, ben on vous donnera pas un rond. Bon, ce matin, le froid est revenu, le vent est revenu, la merde est revenue. Et ils avaient prévu pluie torrentielle, ça va, c'est. Ouais. Ça pourrait être pire là. Faut toujours chercher le positif. Et là, d'un coup. Raison. Donc, petit café tranquillou. On remercie Yanis. Qui nous a fait du coup un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, au fromage feuilleté au fromage et aux épinards. Voilà, merci Sacha, présentatrice. Merci Sacha. C'était pour rigoler. Voilà, petit truc aux épinards, franchement ça claque, comme dirait Didine, ça claque sa mère, ça pète sa mère. Donc voilà, nous a fait un grand feuilleté comme ça. C'est super sympa. Aujourd'hui, planning, ma chérie. Planning. Ouais. Ok. Ouais. Le programme. Lavage de slip pour moi. Moi j'ai toujours le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Ouais. Ça, j'ai pensé un truc, si. Ouais. Oui, montage. Comme ça demain j'aurai pas besoin de le faire. Ouais. Très bonne idée. Très bonne idée. Cerveau, là. Oh, voilà. Les oiseaux là. Ouais, et ça, puis pigeon. Cool. Cuisiner un pigeon. Voilà, ça on laisse ça à Cédric parce qu'il veut de la viande, Cédric. Ouais. Bois, là. Et comme on n'a pas vu Armel depuis hier, on se demande un peu où elle est. Ce qu'il a mis dans son sandwich. Ouais, c'est bizarre tout ça, c'est bizarre. Bon, avec ce temps pas terrible aujourd'hui, on s'occupe comme on peut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Eh ben, on a pris du café, surtout. Et puis, là, on attaque une petite soupe de. Enfin, on finit la soupe de potiron. Avec les tomates qui nous ont été généreusement offertes sur le spot du bungalow, on va retourner pour le jour de l'an. On va refaire une bonne sauce tomate pour ce soir. Voili voilou. Puis on va quand même essayer de sortir après. Un petit peu. Ah ouais. Bon, on a reçu les moules pour demain, pour le repas de demain. On va faire moules frites. Ça a été livré carrément sur place par les potes de Yanis, encore une fois. Trop la classe. Allez, il y a une petite séance parachute, voile, machin, truc chouette qui se met en route là. À bouger un petit peu, faire du sport. Hein. Donc Thierry qui fait pas mal de kitesurf, et ben il va nous montrer ça. On va perdre Ben là. Il est en train de s'envoler le Ben là. Allez, autour de Nico. Bon allez, on a démarré Obélix, dernière fois qu'on va au trolley voir Yanis, on a un petit cadeau pour lui en plus. Donc on est parti avec les copains, il n'y a pas tout le monde. Et on va se faire un dernier petit resto chez Yanis au trolley. Voilà, on va faire découvrir aussi à Malicia et Antoine le trolley. Voili voilou, on est parti. Bon, si un jour, hein, voilà notre dernier repas au trolley, café, on va faire un petit cadeau à Yanis, vous allez voir sûrement si on le voit. Si un jour vous venez à Artémis, en Grèce, pas très loin du Péloponnèse, passez chez Yanis manger parce que regardez les assiettes. Le fou furieux. Tu vas jamais manger minutes, ça, mon Jojo. 20 minutes de l'aéroport d'Athènes. Regardez-moi, c'est hamburger qui déchire un truc de malade. Regardez-moi l'assiette de Nico. Franchement. Si ça donne pas faim. Bah ouais. Hein. Voilà, c'est une tuerie. Franchement, bah, c'est pas pour rien qu'on l'a mangé plusieurs fois ici. C'est super bon, super copieux. Non, et puis surtout que. Et en plus, ils sont tous super gentils. Ouais, voilà. Il y a une histoire. C'est ça. En gros, on est un peu chez nous au trolley maintenant. C'est un peu chez nous. C'est Papy Yanis. Ouais, Papy Yanis. Donc voilà, on a offert le petit cadeau à Yanis. J'espère que t'es content, Yanis. Tu vas garder un petit souvenir de notre rencontre. Voilà. Attends, là, c'est une vidéo, après je fais la photo. Et encore une fois, merci pour ton accueil.
Bon, on se réveille tranquillou ce matin. Regardez comme elle est belle, la Lily. Wow, fais voir derrière tes cheveux, là. Oh là 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 là. Et encore, et presque, elle a une couleur. Elle est trop belle. Trop des beaux cheveux. Allez, on va aller prendre le café avec les poteaux dehors. Bah voilà, je voulais filmer une belle gonzesse et tu te casses. Bon bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Hein ? Je suis malade. J'ai passé la journée hier à me coucher à dormir. J'ai voulu lui proposer un peu de sirop, mais... Apparemment, Julien n'est pas d'accord. Bon, pas grave, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Hein. Eh, hey, regardez un peu, c'est... franchement, c'est là on va vous vendre du rêve, la famille. Regardez, gros manteau, tout ce qu'il faut. Non, mais est-ce que je vais chercher ? Ouais. Et si on est sage, on aura le droit à un bon verre de Vachaud. Non, mais franchement, franchement, il est où le soleil, bordel ? Il est où le soleil ? Mais on résiste, on est dehors, on résiste, on résiste. Résistance ! Résistance ! C'est clair. Non, on va retrouver notre petit bagalot, là, de chez Yanis pour la dernière fois. C'est moche, mais on est à l'abri. Ouais, ouais, c'est... ça va revenir, ça va revenir. Eh, tu t'es cru en Thaïlande, toi ? 125, pas de casque, non mais... C'est clair, il manque de... Regardez-le avec ses sacs, là, le roumain, là. Les sacs de lin, merci de l'eau. Voilà, bah, ça lui fait du bien de rouler un peu. Et faut savoir qu'en Grèce, Sicile, Italie, les casques... Ils en ont rien à carrer, ouais. On a le droit à une chanson de Noël, de chanson Jour de l'An, de bonne année. Attention, on leur met la pression. Reporter sans frontières. Ouais, bravo. Super. Bon, on leur a fait des petits cadeaux. Vous savez qu'on avait trouvé on avait déjà trouvé là dans le parc abandonné. Là. Voilà. Donc les boys, vous êtes contents? It's good. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares de beau, Malice? Des bûches génoises. Des bûches génoises? Ah! Au caramel. Est-ce que tu es content d'avoir retrouvé ton papounet, ta mamounette? Ah, bah ouais. Ah, bah tu peux mettre un peu plus d'enthousiasme? Mais pap, j'aime pas que tu filmes. Oh oui, je suis trop contente, mon papounet. Les abonnés veulent de tes nouvelles. Comment t'as pas de. Oh, je te parle. Les abonnés veulent de tes nouvelles. Bah, ça va bien et vous? Ça va bien et vous, Caddy? T'es au courant qu'on va te répondre, là? Bon, allez, j'arrête de la filmer, ça, elle aime pas. Elle aime pas. Bon, elle nous fait une petite, petit dessert pour le repas de ce soir, du jour de l'an. On va se faire les moules, tout ça, vous verrez ça tout à l'heure. Moi, je suis en plein montage. Allez, bisous! Pousse-toi bien, monsieur. Θα σας πω όμως πως αυτή την ονειροπαγίδα, ονειροπαγίδα, θα βάλω να πούμε τα όνειρά μου για να πάρω και εγώ ένα αυτοκινούμενο, να γυρνάω σαν και εσάς. Και κατά δεύτερον, πρώτη φορά να πούμε μετά από χρόνια να πούμε το λέω. Attends. Je te promets que ce piège rêve, je mettrai... Attends. Yes. Je te promets que ce piège à eau, je mettrai un piège à rêve, pas avec mes rêves, pour faire tourner un camping-car comme toi. Ah, yes. The promise. Yes. The promise. Yes. Il ira dans tout car il veut bloquer un camping-car pour lui. Ouais, il promet qu'il mettra dans un camping-car. Pour avoir un camping-car. Ah, ah. Il veut que ses rêves se réalisent, ouais. En gros. Parce qu'il voulait un camping-car, mais il veut que ses rêves aillent pour un camping-car. Και τώρα θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Είμαι κρυφό και έχω πάρει και Ολυμπιακούς αγώνες. Και μετά από τόσα χρόνια, τώρα πήρα το βραβείο μου. Είναι αυτή η νεροπαγίδα. Είμαι Ολυμπιονίκης. Ολυμπιονίκης. Ολυμπιονίκης.
été champion, pas pour moi, et j'ai gagné les Jeux Olympiques. Non. C'est vrai? It's real? Ouais. Take Maro. C'est un beau piège. C'est vrai? Attends, il va écrire son nom. C'est quoi? It's name. Le name? Yes, Take Maro. Non, it's name. Name. Your name. Ah bah, c'est je me rappelle jamais ce que tu as dit, Escaliso. Non. Attends. Exactement. Ah, pareil. Very, very. Émotion. Un très beau pays. Émotion. Allez. Et quel est ton nom de boxeur? Je veux la Chine. Vous vous rendez compte, la Chine? Alors, ils parlaient tous en Chine. Et ton nom de boxeur? Super rapide. Heracles Milanos. Heracles Milanos. Mais c'est con, je crois que tu crois, là, je vais faire. Là, tu crois que je suis sur la plage. Έχω βγει Ολυμπιονίκη της Ελλάδος. Το πήρα το χρυσό στην Τουρκία. Non, c'est la vie, l'ami. Non, attends. On commence. Ωραία, το σύνδεγα. Είμαι Ολυμπιονίκης της Ολυμπιακής Ελλάδος, να μην με ξέρω εγώ. Και έχω πάρει το χρυσό. Αλλά τώρα πήρα το καλύτερο μετάλλιο. Thank you. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Thank you. Je lui dis qu'on va devoir partir. C'est avec une grande plaisir. Ouais, parce que. En fait, faut lui dire, c'est parce qu'il va faire nuit et on va devoir le spot. C'est avec un grand plaisir qu'on t'a rencontré. Malheureusement, il va falloir qu'on bouge avant la nuit car on a encore des courses à faire. Ouais, et encore autre chose. Je comprends que le spot, j'aime pas arriver la nuit. Il y a des monstres, Liam. Thank you. Oh, j'aime pas dire en vocal. Bah vas-y, dis-le chérie, parce que moi ça marche pas. Le vocal, je sais pas parler. Bon, au revoir. Hello, Christophe. Oui, c'est fort. Hein. Avec des forts. Ouais. Oh, guide ça, quoi, oui, c'est. Έλα, έρχομαι. Nous allons devoir partir parce que l'endroit où je vais est accessible peu de jours. Difficilement la nuit. Elle là-bas. Où ton garage? Tu les collègues. Nous allons devoir partir parce que l'endroit où je vais est difficile d'accès la nuit. Hello, brother. Hello. C'est ton frère. Ah, c'était your phone? Yeah. Your phone. C'était pas lui qui a eu le téléphone, non. You. Huh? Your brother? Hey. C'est le même ça, c'est le même. Sorry. Bon, on a un copain de Héraclès qui est arrivé là, qui nous a ramené encore une bouteille de je sais plus le nom. Comme du raki. Comme du raki un peu. Cipulo. Cipulo. Je viendrai te chercher. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir partir parce qu'en fait, on va sur le spot de nuit et j'aime pas arriver parce que c'est un spot compliqué. On va arriver de nuit, ça va être chaud là. Mais c'est pas grave. Bon, on a aussi les gars pour la voiture qui sont arrivés. On va aller voir ça dehors. Ils vont faire du coup. Il a écouté le message, c'est un truc de fou. On lui avait envoyé un message. Son nom, je me rappelle plus. Ça va me revenir. Nikos. Nikos, your name. Yes. And your car is here. Il va remettre un petit coup de son pour faire découvrir Antoine et Malicia. On lui avait demandé et du coup, il est venu. C'est super cool. Super cool. Voilà, là c'est la minute rencontre. Hein. Ça arrête pas. Hein. Truc de fou. Bon, Antoine, il va essayer ça. Je crois qu'il va mourir. Regarde, il a retiré ses lunettes. Ça va. Il a dit en fait il a un nouvel ampli. Donc là je pense que ça va te tuer quoi. Ah il ouvre la porte parce que sinon ça va trop taper quoi. Attends faut que j'aille filmer. Attention ça va taper fort.
Attends, y'a rien là, y'a rien là, y'a pas de son là. Là, y'a pas de son là, y'a rien. Batterie. Alors il va faire une tête, Jojo il veut essayer. Il va faire une tête. Oh, deux secondes. On te put on the meat and on a enfin réussi à arriver quand même. C'était difficile avec entre la rencontre avec Héraclès et la rencontre avec les Nikos, les gars du son là. On a réussi à venir. Il y a Yanis qui est venu avec sa femme, avec son gros Rangers là, son, on le voit pas d'ici. Son Dodge. Arrête de parler de comme ça. Ah, je te jure. Oh, le traquenard toi. Bon, on est tous partis à éplucher patates, hein. Avec Yanis, avec Anya, avec tout le monde quoi. The corvée de patates, on dit, in French. This activity in, c'est où ça? C'est en militaire. The military activity. You understand? And where we work, he takes a video. Ah, oh! Elle m'a pourri ma vidéo. Non, no problem for me. It's, yes, no problem. Because my video is authentic. It's real. Yeah, yeah, yeah. No censure. Power pads. No censure. No censored. No censored. Bon, on a préparé des petits blocs de foie gras, tranquillou, ça va être bon tout ça. Avec du pain d'épices, fait maison, des petits fromages pour tout à l'heure. Et là, les gars, ils bossent, ça nettoie les moules. Ouais, ça nettoie les moules. Pour une fois que Manu, il nettoie une moule, hein. Tiens, ça. Qu'il en touche une, ouais. Ouais, pour une fois qu'il en touche une. Hein. D'habitude, c'est les calamars, hein, mon Manu. C'est ça. Et Manu, tu mets pas les doigts dedans. Là, là. Là, je suis plus en train de les épiler ou quelque chose. Hein. Bon, vous... bon, Didine a fait une petite préparation pour faire cuire les moules. Bon, bah voilà, des carottes, du céleri, des oignons, tout ça. Mirko et Anya nous ont fait un petit cocktail super sympa, franchement. Et là, on va couper les frites, les patates pour faire les frites. On s'installe. La cuisson s'installe et c'est ça qui est cool. On arrive à cuisiner dehors, à faire notre vie, c'est bon. Bon, heureusement que j'ai les enfants pour m'aider pour faire les frites. Hein. Heureusement, Alban, ils m'aident bien. Abigail, elle mange des patates crues, non? Ça va être dur, mon Jojo, ça va être dur. Ah. Par ici? Oui. Quoi? Non, je t'aide. Ah, tu m'aides? Ah, ok. Impeccable. C'est dur, hein? C'est dur à faire, hein? Bon, on se mange le petit foie gras, du coup. Franchement, ça fait plaisir. Et la femme de Mirko, la femme de Yanis, c'est super bon. Elle a fait ça, de fix it, fix it. C'est fix it. Elle a fait ce petit riz. Ah, c'est, ah, je croyais que c'était un, mais non, c'est, ça se mange froid. Oh là là, il y a même des crevettes, je crois, non, c'est pas une crevette. Ouais, il y a des frites. Ah ouais. Ça a l'air super bon, quoi.
avec du pain d'épices maison que nous a ramené les petits dufs. Les œufs de spoon. Ah franchement, on va se régaler quoi. Voilà, on est soigné. Didi, il faut prendre une petite cuillère pour servir. Merci les Didine. Ah oui, je vais la ramener. Merci Didine. Ah, se faire plaise. Faire plaise. Oh là là, c'est trop cool. Yes, c'est good, hein. You know this foie gras? Oui. Allez, on est parti pour une bonne tournée de moules. Bon, je peux vous dire qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut. Didine, la reine de la moule. Attendez, vous n'avez pas encore goûté les coups. Ouais, mais on sent que ça va être bon. Ah là, ça continue, tranquillou. Les frites sont presque bonnes. Ah, ça commence à dorer, je commence à me brûler, donc tout va bien. Impeccable, mon cousin. Bon, la première petite tournée de frites est ready. It's okay. Elle est prête. Voilà, ça va être très bon ça. Zaina va nous dire si c'est bon. C'est bon ou pas? Ah, elle a dit oui. Zaina a validé. It's okay. The French fight. This name, yes. Oh, it's good. Is it good? With a salsa, with. Comment tu dis l'ail? Mayonnaise. Oh. With. I make mayonnaise with garlic. Where is? Attends. Tiens, la nuit, tu veux la lumière, non? C'est bon. Regardez-moi ça, la petite assiette de Armel, franchement. Bonne petite moule, comme quoi en nomade on peut tout faire. Hein. Oh. Four Mirko. Les frites. Yeah. Oh. Regardez-moi ça. Ouais. La classe. Allez, la petite aioli à Didine. Ça va être bon, ça, avec les frites. Allez, autour de Salma. Comme je disais, hein, franchement, on est nomades, mais on arrive à bien manger. Hein. Ouais. Je lui ai dit que ces moules frites, que ces frites dans son restaurant étaient très bonnes. Ouais. Goûte les nôtres, tu vas voir. Ouais. Alors, je voudrais présenter this wife, la wife for, Yanis. What's your name? Your name? Rania. It's thanks for your restaurant. Very good restaurant is very good. No, very good quality and a big trolley, big more trolley. And this is for you. It's very good. Donc c'est la cuisinière du qui nous a cuisiné les tout ce que vous avez vu au restaurant quoi. Franchement excellent. Oh, hello, you're welcome. Come. Mange. It's okay. It's the French fight. Yes. Very strong. Okay. Not okay. Do you have a job for me on your restaurant? Didier est en train de faire du woofing là. Just 3,000 euros per month. It's okay. 3,000? 3,000 euros demande Didier. Non mais sérieux. I cook with love. Hein? Wow. Hey, chicken is my mom. Et le kimas patata. Prends la main, mon père, t'inquiète. It's for you. Donc, c'est qui cet homme-là? C'est un ami de. Attends, Bon, attention, on a Nico au coup frites, ça rigole pas. Hein. No way. On se croirait à la fête de l'humain. J'ai jamais été. Je pense que c'est une super fête, la fête de l'humain. Bah, en même temps, hein, son nom l'indique, la fête de l'humanité, quoi. Alors les grosses, je pense qu'il faut les couper, hein, sinon elles vont briller, quoi. Hey. On croit qu'il a fait ça toute sa vie. On sent le foin, là, tu as fait ça. Ah, on sent le foin, hein, mon cousin. Il a pas fait que gonfler des jeux gonflables, hein. Il a coupé de la frite aussi. Hein. Il a servi de la bibine. Ah, la bibine, j'en ai servi. La bibine, a servi, mon cousin. Hein. Allez, vous avez la fête forêt, hein. Une portion de frites achetée, une portion de frites offerte. Je te jure. Mais couvre-toi, toi. Ferme ton gilet.
avant que Nico ait éclaté. Tu sais, ça fait comme les films, tu sais, où Nico, il les gars, ils appuient à fond dessus, tu sais, ils tapent à fond dessus. Ah ouais, ouais, ça fait, ça fait lever un... Là, ouais. Là, c'est pareil. Avant que Nico, il mette la tête au fritateur. Ah là, là, il est ambitieux, il est ambitieux. Là, il est ambitieux, attention. Oh, oh là, ça glisse, hein. Ouais, il l'a eu, il l'a eu. Est-ce que tu connais Patator? Regarde un peu la taille de ces frites. Ça, c'est de la frite. Ça. Regarde si ça, c'est elle fait 10 cm la frite. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Quoi? Avant que le. Que Nico, il me mette la tête ici. Ah ouais, ouais. T'imagines? On fera pas tout. Eh, hein. Joujou. Bah ouais, ouais, c'est pour ça. J'avais pas trop. Nico, bon, ah, bah. Cool. Par contre, il faudra qu'on les mette dans l'eau pour qu'elles se conservent. Nico, t'imagines la. De toute façon, demain, c'est moule frite, hein, demain. Attends, 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 Joujou. Ah, pourquoi? C'est tout. Ah bah dis, on aura pu. Enfin, non. Jojo, il a dit, imagine, tu mets ma tête dans le coupe frites et t'appuies. Ah bah non. Oh, manger de la cervelle de Jojo. Ouais. Red vine, sorry. Bon, à votre avis, celle-là, là, la grande. Regardez, regardez, la belle croque. Celle-là. Elle est belle, ma frite. Elle passe ou elle passe pas? Elle passe avec Nico. Ça va passer, ça va passer. Elle passe avec Nico. Hein. Non. Avec Nico, j'ai tout pas passe. J'ai pas mis au centre, regarde. Demande à Didine, avec Nico, tout passe. Ça, elle est là, Didine, d'ailleurs. Quand tu parles de Didine. Il y a un coup, mais il n'y a pas de tire-bouchon. Regarde ça, mon père. Regarde ça. Ça, c'est fait. Le mec, il maîtrise le coupe-frites. Je pense que ça va être son poste officiel. Coupeur de frites. Allez, tout le monde! Anti-social! Anti-social! Tout le monde! Anti-social! 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 C'est Loïc! Anti-social! 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 Regardez-moi ça un peu. Oui, Chris, is very good. Yeah. You like a mule? Yeah, ah, ok. Look my fries. Ouais. Chris, il est parti, il est parti. Look my French fries. I come, il a dit, I come. Je viens, je viens. Ah, ça me fait plaisir là, regarde, elles sont belles, elles sont fraîches. Petite dédicace à ma fille, Léa, la grande. Attention, ça va être parti. Ça me rappelle ma jeunesse quand je sortais ma guitare électrique avec mon petit ampli à la con. J'avais les boutons sur le nez, je grattais la corde. Je me prenais pour un rocker, mon père. Une vraie putain dans l'âme. Regardez-le, on le reconnaît le putain fer, on le retrouve là. Les racines ressortent. Vous êtes prêts? Oh vache, Maro Condé, tu t'es l'enfant de la sûreté. Même si elle est au taquet, elle suit ta... French fries, it's okay! Ah, sorry, Yes! You like this, Pierco? I love it! Very nice! Yanis! Le Gaulois for the good price. Ah, Yanis, I like this. Very much. Frites foie gras, lui il rigole pas. Frites foie gras. That's a very good association. Very good association, yes. Yanis! You like this? I love. Les frites de mon Gaulois, c'est les meilleurs. Oh, Agnès, big. Là, c'est les moules de la Gaulois. Là, c'est les moules d'Agnès, c'est les meilleurs. Ah, yes. Fuck off. C'est la moule de... Fuck off. You understand French? Merde. Oh, shit. No speak. Regarde. Il y en a